ici. Eh bien, nous y voilà. Tout ça pour ça, mon cher Jack. Bonne chance, Jack. Je t'aiderai dès que j'en aurai fini avec la suite.
caractérisé. Ces armes nous anéantissent. Déplace-toi pour éviter les coups. Fumez comme un bon jambon. Désolé, mon ami, mais je ne peux pas laisser Skyhead utiliser le cœur d'écho comme il le veut. Et puis, si je ne me dévoue pas, qui le fera ? Phoenix ! Non ! C'est la seule solution, ma chère. J'ai créé cela, et je peux y mettre un terme. Jack, j'ai adoré voler avec vous. Prenez soin de Kira, surtout. Et maintenant, Skyhead, ou qui que tu sois devenu, voyons si tu peux résister à une épée. Non ! Moi, j'hallucine! Il a réussi! Le Behemoth s'est endommagé! Ce qui veut dire qu'on peut le détruire. Me voilà, Skyhead. Ça, c'est pour Phoenix! Fuis-toi, Jack! J'ai bidouillé les soupapes pour que l'écho noir se distille dans l'air. Essaie les nouvelles armes! Ha 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 ha!
L'écho noir est éternel! L'écho noir est suprême! Regardez-moi ça! Écoutez, le cœur a l'air d'être reparti. Tout est dans le vert. Le prisme est aligné et le cœur dégage de l'énergie. Bientôt, des vents d'écho souffleront de nouveau sur le monde. Si seulement Phénix avait pu voir ça. C'était quelqu'un de bien. Oui, ça ne fait aucun doute. Phénix s'est sacrifié pour nous tous. Mes chiffres indiquent une forte baisse de la tempête et des activités sismiques dans toutes les directions. Et l'instabilité descend rapidement. Waouh ! Kera, tu viens de... canaliser l'énergie d'écho. Tu pourrais bien devenir une écho-sage, jeune fille. Tu parles ! Moi, quand je suis vraiment énervé, je peux me transformer en un énorme monstre de 5 mètres de haut. Plutôt 2 mètres, mais... je te préfère petit et orange. Et les dames sont de ton avis. Mais alors, quel est ton nom? Les gens m'appelaient Tim. Eh bien, Tim et moi avons décodé ces symboles du cœur. Ce cercle dans notre planète était rattaché à d'autres lignes d'énergie. Et l'une d'entre elles indique la bordure. Et donc? On a des choses à explorer. Qui sait ce qu'on va y trouver? Je propose qu'on vive d'amour et d'eau fraîche, maintenant. T'as bien dit la bordure, hein? Ça pourrait être une grande aventure, si je trouve un partenaire pour m'accompagner. Eh bien, puisqu'on y est déjà, et que j'ai pas prévu de prendre de vacances... Dites, vous êtes pas en train de prévoir un truc sans moi, là? La prochaine fois, je veux un vote! Bien sûr, Dax. Que ceux qui veulent repartir pour une nouvelle aventure, lèvent la main. 2-1, terminé, tu perds. Hé! Hey! Oh! Vous avez de la chance que je me transforme pas en monstre! Je suis vraiment très énervé! Bon, d'accord, c'est reparti pour une nouvelle aventure. Mais cette fois, je prends un sac à vomi! Et des magazines. Et cette poulette sexy de pirate, hein? Oh, et un bon coussin. J'ai mal quand je reste assis trop longtemps. Et plus de trucs à manger! D'où le sac à vomi. Et un immense peigne démêlant pour ma superbe fourrure de monstre. Et faites-moi penser à prendre mon ours en peluche précurseur. Je peux pas dormir sans. Et un bon stock d'antiballonnement. Ah, vous n'arriverez pas à dormir si je les prends pas. Ah, oui, j'allais oublier. La console de jeu précurseur super cool que Tim a conçue pour moi. Et le jeu de course Jack-X. Et ma tondeuse à moustache. Vous avez du chewing-gum? C'est pour déboucher les oreilles à l'atterrissage.